Inspiré du terme international, égalité de droit pour tous, quelle responsabilité pour la femme travailleuse est le libellé de la communication tenue ce jour par les femmes syndicalistes pour marquer cette édition de la Journée internationale de la femme. Autant qu'elles ont des droits, autant nous aussi nous avons nos droits. La femme policière, prise comme une femme, elle a les mêmes droits que toutes les femmes. De la même manière que celle qui est au village a les mêmes droits en tant que femme que la femme policière qui est femme. C'est le côté syndical qui est un peu difficile, mais nous tirons un chapeau au syndicat de la police parce que nous savons que ça n'a pas été facile pour qu'il y ait un syndicat à la police. Mais les quelques femmes qui sont dedans, nous les connaissons aussi combattantes et nous allons prier et œuvrer à leur côté pour que ça persiste et qu'elles deviennent de vraies militantes syndicales. La participation des femmes à la main-d'œuvre, en particulier dans les pays en voie de développement, est plus que jamais souhaitée. On a besoin de vous. Votre métier n'est pas facile. Vous devez concilier plein de choses. Mais on est dans un pays où rien ne s'obtient en se croisant les bras. Après avoir obéi, après avoir fait le salut militaire au patron, vous devez parfois savoir prendre votre touche de syndicaliste et réclamer de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions de vie. Et c'est là où la CSA Bénin peut intervenir en termes de formation, en termes d'outillage pour que vous puissiez faire les choses dans les règles de l'art et ne pas faire le syndicalisme qui est un syndicalisme décadent. On n'en est pas là au niveau de la CSA Bénin. Vous avez besoin d'être célébré, mais vous avez besoin aussi de prendre le pouvoir. Parce que je dis toujours, la femme a le pouvoir. Et quand on a le pouvoir, dans nos pays surtout, on l'exerce. On ne pleurniche pas. Même quand le pouvoir, on vous le jette par terre, vous le ramassez, vous l'exercez. Apprenons donc à exercer le pouvoir pour l'amélioration des conditions de vie de la femme et surtout la paix dans le monde parce que ce n'est pas à vous que nous pouvons obtenir tout cela. C'est de cette façon que les syndicalistes à leur niveau veulent œuvrer pour que l'égalité de droit pour tous soit une réalité. Une politique pour le reste.